Aujourd'hui, le paludisme est encore la première cause de mortalité en Afrique. Le film que vous allez suivre va vous présenter un rebelle contre ce mal. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire due au plasmodium et que se transmet à l'homme par les piqûres de moustiques. Il y a eu des plans, notamment au premier plan, au début du film, il y avait un mouvement de caméra bien fluide, notamment le zoom. Et le deuxième mouvement, c'est sur la plaque, le panoramique vertical. Bon, à ce niveau, on a trouvé que non, c'était mal fait parce qu'il a commencé en bas, vers le haut. Alors que pour la lecture, on doit commencer en haut pour descendre. Si on peut revoir le niveau de son, du son, au niveau des interviews, par exemple, l'interview du médecin, s'il peut revoir le niveau. Et puis, l'interview de M. Clément Yarbo, en tout cas, le son était faible. La voix off est assez forte, et quelque part, surtout au début, on n'entend rien du son qui entourait les sujets. Je suis resté un peu sur ma soif. Nous avons vu que au cours de sa réalisation, on n'a pas senti assez de témoignages. C'est une seule personne qui a témoigné les bienfaits de l'Artémisia. Et au lieu aussi peut-être nous faire voir une personne qui a déjà souffert du palud, qui l'a utilisé et qui peut-être qui a trouvé solution à son mal. Merci. Je suis en admiration devant ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'il a osé créer. Vous voyez, dès le départ, on a posé le problème des symboles. C'est vrai qu'au départ, moi, je ne comprenais pas pourquoi il part du cimetière. Ensuite, je ne comprenais pas pourquoi ce plan, n'est-ce pas, du palmier. Et le départ de la musique, comme le disait tout à l'heure Désiré, a me laissé entendre que, en tout cas, on allait avoir affaire à un film d'horreur. Ou bien un film, en tout cas ça c'est triste quoi, un film très triste. Mais à la longue j'ai compris qu'en fait c'était un symbole qu'il voulait poser dès le départ, et ça c'est formidable. Après les explications nous ont permis de comprendre pourquoi il a démarré comme ça. Donc déjà le fait d'avoir osé mettre les symboles dans son film, je crois que c'est une chose très importante. Voilà, je voulais aussi parler du mixage. Et je vois que Philippe a montré des astuces pour pouvoir mixer, c'est très bien. Mais ça, c'est la première étape. Le mixage est une étape très importante dans votre documentaire ou dans votre film. Donc, on va faire la fiction. Vous allez retrouver encore le problème du mixage. Et pour mixer, il ne faut pas vous contenter du petit micro de votre ordinateur portable. Non. Il ne faut pas non plus utiliser un casque. On ne mixe pas avec un casque. Pour mixer, on installe un équipement normal avec des très bons haut-parleurs, une très bonne sonorisation et on mixe à l'oreille.